Et donc salut à tous, c'est Clément1325, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte sur The Witcher 3 Wild Hunt, qui est sorti aujourd'hui, mardi 19 mai, ouais c'est ça, mardi 19 mai donc, et après un petit moment d'absence, encore une fois, je vous laisse lui créer dans cette vidéo et dans la vidéo de Minecraft qui sortira dans la semaine, vu que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde les autres vidéos que du Minecraft, comme ça tout le monde sera au courant. Mais voilà, et donc on va commencer cette nouvelle partie sur The Witcher. Et bah c'est parti, justement. On va faire ça en relativement facile. Hein, hop. Oui. Non. Lundi 18 mai. Mardi 19, voilà, ça c'est ce que j'ai sauvegardé hier, enfin hier, ce matin, et c'était le début du jeu sur The Witcher 2, parce que je suis pas allé très loin. Et c'est parti. C'est relativement gore quand même. Ah, on va peut-être commencer à jouer. Même si la cinématique était un peu moins longue que dans le 2. Parce que dans le 2, avant de commencer à jouer, mais mon dieu, qu'est-ce qu'on attend. Et il me semble que dans le 1, c'est pareil. Ah ouais, c'est la fête, le mec qui prend un bain, quoi. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vesemir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Allez, faut jouer nous. Oui, c'est bon, on a compris, elle est à poil. Bon, je vous préviens tout de suite, bienvenue dans The Witcher 3 Wild Hunt. Ce didacticiel va vous présenter les éléments essentiels du jeu, chaque message sera sauvegardé dans le glossaire, où vous trouverez aussi des informations détaillées sur l'histoire du monde et les mécaniques de jeu. Pour désactiver les messages de didacticiel, ouvrez le menu Options, bas les couilles. On peut sauter! On peut sauter! Merde, j'ai pas lu ce qu'il y avait marqué. Trouvez la clé de la chambre à l'aide de vos sens de sorceleur. Sens de sorceleur. Là, il y a un truc. Éteindre. Là, il y a un truc avec le pot à eau. Examiner. Hop. Allez. Allez, Geralt. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé. Bon, donc la meuf, c'est Yennefer. C'est ça la clé? Ah bah évidemment que c'est ça la clé. Voilà. Hop. Alors, y a pas moyen de courir? Lila et groseille à macro. Bon, on va éviter de fouiller toute la chambre. Hein. Ok, donc ça c'est le menu rapide. Ça, ça sert à rien. Ça c'est le saut. Et on va aller aider, je sais pas qui, Ciri, je crois qu'elle s'appelle là-bas. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri est encore volatilisée. Allez. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Éveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant? Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Lui fait lire ce pavé. Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes, mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la-moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. C'est bien qu'on puisse choisir nos répliques. Ça fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. T'es vraiment un enculé. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. Pense au périlleux? À ton avis. Bien, enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vesemir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Allez, je vais être gentil. Si tu recommences, Vesemir s'est juré de te faire manger un bol de limaces salées. Peur. Tout à fait. Alors fais un effort. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Ah, je suis obligé de faire le didacticiel, c'est pas les mêmes commandes que dans le 2. Si tu tombes, peut-être... Allez, moi aussi voilà, elle m'a niqué ma place sur l'échelle, forcément que je vais arriver après. Dégage, gamine! Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche au rythme de tes pas. Ok. Arrête de faire l'imbécile. Faut faire gaffe aux dégâts de chute. Et ça te dirait d'attraper l'échelle, Geralt? Merde, tu fais n'importe quoi. Je vais pas m'emmerder à sauter. J'ai gagné. Ah bah on peut sprinter en plus. Pourquoi on me l'a pas dit plus tôt? Et là c'est le sprint final. Attention, Contador dans la ligne droite. Contador, Contador. Ah merde, c'est en bas. Et bim, the winner is. T'es trop lente, gamine. T'es pas beau, toi. Quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vesemir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une ghoul d'une Al-Ghoul, tu... L'Al-Ghoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthéra Tigris de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vesemir. Tu avais lu le chapitre, pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vesemir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. Putain, mais on veut de l'action, nous. On en a marre du texte. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? On va commencer par les fondamentaux, ouais. On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Ça, c'est l'excuse. Allez, Geralt. Hop. Blablabla, 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 blablabla. L'épée. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Frappe fort. Et alors on prend la piquette. Des pieds, Ciri. Des pieds, concentre-toi. La petite esquive des familles, hop. Allez, tape plus vite, connard. Fais semblant, un peu d'imagination. Va te faire foutre. Riposte, frappe, contre-attaque. Allez, allez Bobby, enchaîne. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorcières. Commençons par Quen. Allez, hop. Ciri, on surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Allez. Maintenant, observe. Ouais, ça va pas protéger des masses, quoi. Ciri, on surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, observe. Et va te faire foutre. Ciri, on surnomme... Lance Igni. Je veux voir des étincelles. Alors Igni, c'est celui-là et ça balance des boules de feuilles. Ouais. Sans le signe de feuille, je brûlerai comme une torche. Allez, continue de décéder. Hard. Ça, ouais, le souffle télékinésique. Il est marrant celui-là. Tu as vu, Ciri ? Dans le 2, j'arrivais à lancer des ennemis des murailles avec. C'était bien cool. Alors, est-ce que je vais me souvenir de ce que ça fait? Celui-là, c'est pour contrôler les adversaires. Hop. Oh, tu l'as pas vu venir, celle-là, connard. Et celui-là. Ça fait un piège. Viens, petit. Boum. Je serai incapable de le détruire. Sale putain. Jette une bombe. Ne t'en fais pas. Quen atténuera l'impact. Bouh. Hop. C'est fini pour le didacticiel de combat. Très bien. Ça suffit. Nice. C'est quoi entraînement libre? Eh non, on l'a pas vu. Dans le cul de balayette. Elle aura bien cherché la grognasse. Ah mon Dieu, Ciri va être enlevée. J'ai peut-être une idée, mais non, on va éviter. C'est une idée à la con. J'étais en train de... Putain, ce téléphone fait beaucoup trop de bruit. J'étais en train de penser à faire une petite blagounette en demandant à Ciri... de l'iPhone, où c'est qu'elle était Ciri. Ah mon Dieu, c'est qui? What? Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Et là, il va se réveiller. Oh, je suis trop fort. Soit c'était un flashback, soit c'était un vrai rêve. Ça par contre on n'en sait rien. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. Allez. J'étais dans la chambre d'hôte, à Guerre Moraine. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Bon, c'était qu'un rêve, déjà. Tu te casser les pieds? Pas de doute, alors. C'était bien elle. Quels enfoirés. Voilà, vous trouvez. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ah, ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve. Tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Allez, on se casse. Faut quand même jouer un petit peu. Ah non, ça marche pas comme ça. C'est le soleil, il va bientôt se coucher. Et après, Hulk devient pas Hulk. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. Après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. On te l'avait dit. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est personnel. Très personnel. Ah, je vois. Enfin, je crois. À vrai dire, je veux pas savoir. Je ne veux pas vraiment savoir. Allez, on enchaîne. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des ghouls. Des ghouls ou des Al-Ghoul? Bla 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 bla. Brutal, la guerre ravage le monde et ceux qu'elle épargne vivent dans la peur des innombrables monstres qui rôdent aux abords de chaque bourgade. La jauge de visibilité argentée des monstres indique qu'ils sont particulièrement vulnérables aux épées en argent. Viens là, enfoiré! C'est quand tu veux que tu m'aides, hein. Celui-là, il est pas mal. Fist up. Viens là, toi. Putain, mais... Il y en a combien? Bah, tu sais quoi? On va te faire voir. Moi, je vais... Voilà. Toi, tu meurs. Et elle est où, l'autre? Mais va te faire voir, toi. Bon, il est un peu tout pourri, ce saut télékinétique, par contre. Bla bla bla, vous générez des points d'adrénaline. Certaines capacités vous permettent d'effectuer des attaques spéciales. Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Bla bla bla. Bon, là je fouille un petit peu les cadavres. Hop, sauter c'est comme ça. Cheval, au pied. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les sorceleurs passent au plus clair de leur temps sur leur route à la recherche d'un nouveau contrat. Ils doivent traverser de larges vallées, gravir des hauts pics montagneux et patauger dans les marais. Heureusement, Gérald peut toujours compter sur son cheval Ablette. Ablette, sérieux. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Lui a dit qu'il mange aussi les vivants. Oui, ça lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. Voilà, je savais bien qu'on pouvait galoper aussi. C'est sur ma route, connard. Oh, pile entre les deux arbres. Les royaumes de Radovide, tu veux dire. La Téméria et Aguirre n'existent plus. Radovide a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Par contre, je sais pas du tout où on va, quoi. Faut bien croire en quelque chose. Bah voilà, on allait jusqu'au pont. On y va. Let's go. Ouh, le gros monstre pas beau. Quoi cette merde? Redescends, enfoiré! C'était une blague! Casse-toi! Voilà, c'est bien. C'est pas ça. Oh mon Dieu, Bobby a été touché. Il est parti. Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux, c'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de la jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante, morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Allez, je suis gentil. Inutile de nous remercier, c'est normal. Et on dit les sorceleurs sans cœur, qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Il va quand même nous donner quelque chose. Comme allez. Je te disais, elle rejoint la grande route et ensuite elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme, taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais il y a une auberge à Blanche-Fleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. Peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Ça marche. On en profitera pour nettoyer cette blessure. Oh, c'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Et ouais, le vieux, toujours sur la picole. Hein. T'as cru j'y allais aller à patte, quoi. Merde, ça fait déjà une demi-heure. Bah rien à foutre, on a pratiquement pas joué. Bon, ça c'est un peu le voyage facile. Étrange. Tu lis dans mes pensées, dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, ça parle beaucoup quand même. Hein. Il a peut-être été attiré par la guerre. Des cadavres, du sang, de la chair brûlée. La tête à plus d'un monstre et à plus d'un homme. Zone habitée, blablabla, panneau d'affichage, blablabla. Ah oui, on peut faire des contrats. Redoublant de prudence à Blanchefeuille. Et une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons. On va descendre là, hop. Allez, barre-toi, cheval. Et maintenant, on va rester encore 10-15 minutes de plus ensemble. Parce que là, franchement, c'est un petit peu abusé quand même. Hein. On a à peine vu le début du jeu. Et les trois quarts, c'était soit du dialogue, soit de la cinématique. Donc je veux bien que quand on fasse le jeu en entier, ce soit intéressant. Mais pour une découverte, c'est pas top. Et en plus, j'ai rien eu le temps de vous raconter du coup. Parce que, en fait... C'est le blason de liste de la Téméria. Ouais, on s'en fout de ce qu'ils racontent eux. Bah en fait le jeu je l'ai pas acheté. Je suis pas vraiment un grand fan de The Witcher. Et bah, j'ai pris le 1 et le 2 parce qu'ils étaient en promo sur Steam la semaine dernière pour essayer de les faire avant celui-là. Vu que celui-là en fait je l'ai eu gratuitement en achetant ma carte graphique. Sinon vous auriez jamais eu cette vidéo découverte. Donc en ayant ma nouvelle carte graphique j'ai eu droit à ce Witcher 3 Wild Hunt. Et bon, j'en suis plutôt content. Je sais pas si je l'aurais acheté si je l'avais pas eu avec, mais c'est plutôt cool. Et du coup, oui, déjà ça. Et ensuite, comme je l'ai dit, je suis pas un grand fan de The Witcher. Et du coup, les deux autres, le premier, j'ai dû jouer, allez, une demi-heure, une heure. Et comme j'avais vraiment du mal avec les commandes, j'ai arrêté. Le 2, j'ai joué un peu plus longtemps. Mais je suis quand même pas allé très loin. Et voilà pour l'instant. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Ah. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre soupe. C'est offert par la maison. Bon, c'est bien cool ça. Show me what you got. Et elle m'a dit que je pouvais prendre tout ce que je voulais. Attendez. Ah oui, le marchand il est à droite. Je comprends rien à rien. Donc si je comprends bien, j'ai 250 pièces. C'est quoi ça? De la vodka. Consommable. Régénère la vitalité. Du lait de vache. On va prendre du pain. Ça a l'air de bien régène. Ouais, celui-là. Attendez. Non, en fait, je comprends rien du tout. Est-ce que ça régène, est-ce que ça régène pas? Bon, allez, je te prends tout. Et on va prendre du poulet. Je vais t'en prendre qu'un parce que c'est cher. Voilà. Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets. Toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame. Je pense que je pense bien vrai. Oui, en général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça ne vous coûtera rien d'essayer. Oui, bah on va quand même demander pour le griffon. Il y a un contrat pour le griffon ? Non, pas pour le moment. Dommage. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chemins organisaient une collecte. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander. Oui, je commence à passer un peu le texte. On aurait pu vous. Parce que sinon, ça va trop lentement. Les affaires tournent bien, on dirait. Pas les couilles. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres... En somme, la guerre vous rit. Oui, pour l'instant, mais... Merci pour tout, nous on se casse. Putain, la meuf, elle nous a quand même dit, je vous offre tout ce que vous voulez boire ou manger, c'est gratuit. Et il a quand même fallu que je paye pour mon pain et mon poulet, quoi. Je t'aide à panser la plaie ? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Paraît que les escadrons noirs mesurent... Bonjour. Et alors ? Au moins, ils ne brûlent pas nos récoltes. Oh, mon pauvre Drobin. T'es vraiment con. Vous êtes vraiment des enfoirés. Et pourquoi tu crois qu'ils mesurent ? Toi, c'est celle qui nous a vendu. Il y a 4 factions. Quelle ? Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Gérald de Rive. Allez. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populaire. La cavalière de guerre. Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous... Non, je m'intéresse. Ouais, alors je m'en fous un peu. A plus. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, Lucie. Allez. Allez, on va faire une petite partie. Parfois, pourquoi pas. Formidable. Alors... Gwent est un jeu de cartes ancien des nains qui simule l'affrontement de 2 armées. Les joueurs sont des généraux et leurs cartes, leur force. Vous allez commencer. Super. Vous commencez avec 10 cartes tirées au hasard. Elles composent... Ok. Bla bla bla, sa force. Bla bla bla, catapulte. Capacité spéciale. Ok. Bla bla bla, météo. Jusqu'à 2 cartes à défausser et en retirer autant. Début de la partie. Oui. Chaque jeu comporte un chef, capacité spéciale. Bon, il a quoi comme capacité spéciale, le chef? Prenez une carte brouillard impénétrable dans votre jeu et jouez-la instantanément. J'ai rien compris. Allez, on va attaquer direct. Le nombre de plus à gauche, près de... Ok. Passez quand vous êtes sûr de gagner avec les unités que vous avez déjà jouées. Ok. Donc on peut jouer qu'une... Soit on peut jouer qu'une carte par tour. Et bah ouais, j'étais con. Ouais. Tu veux jouer à ça, enfoiré? Faut que je vois ça. Siège. Non, merde. Ça, c'est la ligne de siège. Bon, pour l'instant, j'ai encore l'avantage. Je vais quand même balancer un fantassin. D'où 7. Ah non, 10. What? Ah oui, c'est le nombre de cartes dans la main, ça. Et il fait quoi, lui, déjà? Allez... C'est dommage, hein. Quelle baltringue. Bon, pour l'instant, il est en train de me mettre la piquette. Égalité. Et là, on va commencer à balancer de l'archer. Hop. Je suis encore en train de lui mettre la piquette. On rebalance de l'archer. Allez, on va passer tour. Ouais, non. J'ai rien compris à ce jeu de merde. Pourquoi ça marche pas pour passer le tour? Je vais pas jouer ça, je suis pas con quand même. Je veux juste passer mon tour. Ah, il faut le maintenir. D'accord. Boum! C'est quoi sa capacité spéciale à lui? Placez la carte dans le camp de votre adversaire et tirez 2 cartes de votre jeu. La blague. Non, non, je veux le placer chez moi. Bah du coup, c'est à l'adversaire là. Ah, il a passé. Bah du coup, il est con. Boum. Blablabla bla 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 bla. Et j'ai gagné. Vous avez un don pour le Gwent. Allonge la monnaie, connard. Vous souhaitez affronter un maître. Je m'en souviendrai. Ça va, il aurait pu me payer parce que j'avais gagné quand même. Et ben du coup, on va se laisser là pour cette vidéo découverte sur The Witcher 3. Et j'aurais pas dû sortir. Oh, je vais leur péter la gueule et après on va se laisser. Alors faut le camp. On veut pas de toi ici. Ah par Dieu, il va leur péter la gueule. Blablabla. Bla, bla. Trois contre un. À votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. Je vais leur péter la gueule. Pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être. Non. En fait, non. Chet, laisse, reculez. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Tu devrais pas, connard. Wow, 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 tu fais quoi? Ok. Putain, mais les chevaux, ils font n'importe quoi, là. C'est bon, les valtringues? Vous êtes morts? Merci. Si ça vous dérange pas, moi je vais laisser mes abonnés sur cette magnifique bataille. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à laisser un petit pouce vert aussi. Ça fait toujours plaisir. Et bah c'est à peu près tout. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très bonne continuation à tous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao.